Bah, c'est une grande fierté, bah, c'était un rêve depuis petit, j'ai toujours été supporter du club quand j'étais petit, j'allais au stade, maintenant bah, c'est une grande fierté de signer bah, dans mon club, le club de ma ville, là où je suis né. Donc bah, une grande grande fierté. Bah ouais, je m'y attendais pas du tout, après j'ai profité de l'absence de Mamadou qui s'est blessé, et on va dire j'ai su saisir ma chance. Donc très très content très très content même que le coach me fasse confiance. Donc non franchement. Une grande fierté. Pareil de faire partie de l'équipe, de faire partie de cette rotation et des fois de pouvoir jouer titulaire. Non, franchement, c'est une très bonne chose pour moi. Ben, on va dire qu'il y a un premier palier qui a été franchi parce que ben, voilà, avant j'étais sans contrat donc tu as toujours un peu des interrogations parce que ben, tu sais pas forcément quand tu n'as pas de contrat comme tout le monde, etc. Mais je pense que c'est un premier objectif de rempli. Maintenant, il y a d'autres objectifs avec l'équipe, même poser dans cette équipe et puis au fur et à mesure essayer voilà, de gagner le plus de minutes possible en Ligue 1. Et puis voilà, faire partie d'être un bon joueur de Ligue 1, parce que pour l'instant voilà, j'ai pas beaucoup de matchs. Et il faut au fur et à mesure que je m'aguerrisse dans ce championnat, donc au fur et à mesure franchir des paliers quoi. Ouais non, carrément, carrément. J'essaie de lui poser certaines questions. Après même avant les matchs, souvent il vient me voir, il me parle un peu, ben, on va dire qu'il me met en confiance. Donc non, même le personnage c'est quelqu'un de très bien, à l'écoute. Franchement, ça se passe super bien, même avec Mathéus, une très bonne entente. Donc, franchement, en espérant que ça continue et qu'on ira dans le même sens. Non, pas forcément, je le sentais. Et celui qui m'a le plus parlé, donc j'ai fait à l'instinct, on va dire.